présenter la conférence de presse aujourd'hui pour nous dénoncer quelques grands dons qui gagnent dans le pays à côté nous gagnons un projet qui est en péril avec agissement grand don dans la commune Limonade. La mairie dans Cap Haïtien est toujours à réfléchir sur la problématique Fatra qui gagne au niveau des Grand Noir. En particulier la commune Cap Haïtien. C'est comme ça en 1998, grâce à la coopération mairie de Suresnes en France, nous avons toujours à poser des problèmes en dans la coopération. C'est comme ça arrivé en l'année 2006 pour 2008, nous avons fait une étude de faisabilité du projet pour être capable de mettre en cours. Arrivé en l'année 2010, nous jouons financement mairie de Suresnes, pas billet et financement AFD grâce à des marches mairie de Suresnes, c'est aidé nous fait. Nous venons mettre à disposition nous 3,4 millions de dollars. Rivé en l'année 2012, l'État haïtien rivé à panter pour nous dans une zone qui est les Mouchinettes, dans la commune de Limonade, section Roukou, 19 hectares de terre pour permettre que nous fassions un centre de tri et de compostage pour nous capables de gérer Fatra parce que dans le département Noa, nous ne pas gérer Fatra, c'est déplacer, nous toujours déplacer Fatra. Grâce à ce projet, ça nous arrivons à construire 5 points de recoupement dans la commune de Cap-Haïtien. Clotis, c'est là lui-même, lui fait, en pile cop dépensé pour que Clotis soit capable de faire. Nous engageons un film qui est Grette pour nous démarrer avec sa phase pilote projet. Malgré le plan d'appentage qui gagne pour l'espace, au nord, c'est tel état. Au sud, c'est tel état. À l'est, c'est tel état. Et puis, à l'ouest, c'est une route qui délimite terre, qui est avant terre. Qui donc, tout voisin terre, c'est l'état. Même espace, ça, il y a 19 familles qui étaient fermiers de l'état dans le terrain. Ça. L'État dédommage tout le monde pour avoir un espace pour permettre le centre de tri et de compostage à lui-même l'y fait. Cependant, nous venons en phase pilote là pour commencer. Tout matériel disponible pour phase pilote là lui-même l'y commencer, c'est laissé à nous tendre. Terrain ça, c'est pour un grand don qui est Leslie Nazon. Alors que Leslie Nazon pas même figuré dans l'acte d'appentage comme voisin terrain ça. Nous-mêmes au niveau de mairie Limonade, quartier Morin, Cap Haïtien, et que tout le monde connaît bientôt là en 2020, Cap Haïtien pour le fêter 350 ans depuis lui-même lui existait, et puis 200 ans la mort Christophe, nous avons travaillé d'un à pied pour nous dire si espace ça est déjà disponible. Pour nous être capable de faire sacrer le traitement de déchets. Pour nous retirer Vilio dans une situation difficile que vous voyez. Parce que depuis l'Antiquité, la mairie dans le Cap, SMCRS, a jeté Fatra dans des conditions inhumaines. Soit dans le mangrove, soit dans le côté Mounrete et la trier. Nous avons demandé pressé pour le gouvernement lui-même déclarer d'utilité publique. Espace ça pour le capable de délivrer communio dans affaires gestion de Fatra. Je dis à nous-mêmes, comme Maïssa, principal de la commune de Limonade, juste à te donner, nous engageons nos batailles avec toute vision, nous, avec toute détermination, toute fougue que nous gagnons, parce que nous avons une population qui vote nous, qui détermine pour que normalement nous puissions garantir un développement durable, un développement intégré, côté normalement, nous voyager, nous avons un pile de bagages qui ont fait dans le monde. Nous gardons. Toute problématique, tout problème qui a prolongé la société haïtienne, c'est que pas gagner tête ensemble. Et c'est dans l'optique ça que nous développons le rapport de proximité, question intercommunalité qui existait dans le pays,
que en pile mairie dans pays nous a essayé regrouper nous soit d'une façon régionale ou du moins dans des communes voisines justement pour nous capable voir comment ensemble nous capable mettre ensemble pour nous résoudre certains problèmes et c'est dans ce sens ça que Limonade lui-même yon nan ville n'a bataille pour nous une ville moderne. On vit le modèle dans le pays. Nous mettons d'accord avec le Cap Haïtien, quartier Morin. Et région ça, nous avons couloir qui est le couloir marien. Inévitablement, on ne peut pas parler de développement du Grand Nord sans ou pas passer par la communauté Sahara. Et nous connaissons bien qui ça, Cap Haïtien, qui ça, Roi Christophe, représenté dans l'histoire, nous, en tant que peuple. Et donc, c'est dans ce sens que ça m'a complété ensemble approche Maïssa et Zahir. Nous, même par rapport à ça, nous, en pile fois dans le pays, ça, nous, fait travers un obstacle. Une des problèmes. Mais en pile pays dans le monde, dans l'Oual, ou à le visiter, ou après, Fatra son source de revenus. Fatra, déchets qui après là qui représente le problème en Haïti. Hein. Si nous voyageons, nous regardons qui ça Fatra a fait. Non seulement si nous regardons, nous sommes capables de faire trio, il y a un pile de déchets qui sont capables de faire des compostages dans la question de l'agriculture. Si réellement nous avons un gouvernement, nous avons un pays, côté de nous, même si nous avons travaillé pour le peuple à manger, ensemble, nous avons un pile de nous avons transformé justement pour que normalement nous relancer la production nationale, nous augmenter l'agriculture pour que les paysans, malgré malheureux, ne pas au presse, ne pas au naïf, tout est mangé pour manger. Il y en a de même, nous avons un paquet de notre bagage encore dans des déchets pour qu'on vienne transformer. Par exemple, on prend un caoutchouc, c'est des morceaux que nous avons là. Tout ça, c'est des pays, tant que la France, tant que les États-Unis, un paquet de gros modifications. C'est ça que nous dit, nous gagnons un espace, nous pouvons faire un bagage, pas un dépotoir. Pas tant que ça n'a pas gardé tout ici. Nous pouvons faire un bagage côté normalement, côté pour que le pays, lui-même, gagne comme modèle. Un modèle d'intercommunalité, côté, en pile l'autre côté, capable de modeler. Tout ça qu'a fait dans le niveau région nord, pour que normalement, nous ayons des autres bagages qui sont similaires, qui fait dans le pays. Et c'est dans ce souci ça, nous avons travaillé comme ça. J'entends des maïs à là, pour que j'aille une longue histoire depuis avant le mandat. Nous. Mais nous-mêmes, je dis là, pour que nous rassurions, nous faisons un projet durable et que, ensemble, espace qui est accueilli, nous mettons à la disposition de projet. Donc je dis là, après nous avons des défauts qui finissent, aidez-nous, nous presque finissons clôturer l'espace. Tout de suite, bon grand dos. Monsieur Nespasa, qui a près de 20, près de 30 carreaux de terre, ensemble, grand ça a dit tout ça, c'est pour lui. Et c'est pendant que nous faisons tout le travail, ça va. Ben, la défense internationale, qu'elle soit la BID, qu'elle soit AFD, l'Agence française de développement, qu'elle soit l'État haïtien, nous mettons des moyens pour que normalement nous soyons capables de continuer avec le projet. Nous garder Fatra en pays étranger. Et par exemple les États-Unis en France, nous voyons qui revenu économique ça bail et nous voyons quantité Fatra et population pays étrangers besoin pour permettre que vous bail électricité. Or en Haïti nous pas même gain Fatra. Nous pas même gain Fatra même pour permettre que nous t'ava et bail population service si nous t'ava électrifier tout département ou bien tout pays. Alors, le problème aujourd'hui, nous gardons que Jean Cap Haïtien, Jean Quartier Morin, Jean Limonadier, donc nous formons l'intercommunalité ça pour permettre que au moins nous retirer la population de misère qui est liée avec Fatra qui a plongé, qui a des maladies, qui permettent que tout le monde ne veut pas visiter le département à cause de Fatra. Donc aujourd'hui, nous essayons une honte nationale pour nous garder que la Bible. Qui mettait quantité d'argent ça pour financer le projet ça, qui est en bonne route de plaie, côté que si 31 décembre arrive, le problème ça pas résoudre, donc nous tout perdu projet. Non, moi c'est Amilcar Cosmeis, maire commune Gonzaline. Donc il y a un problème avec les députés, Iberdi Alsace, et depuis Iberdi Alsace qui prend position comme magistrat dans la commune. Et il mettait nous dehors comme les maires. Qui représentait la commune de Gonzaline. Et dans toute commune, il y a trois conseils communaux. Mais la commune de Gonzaline, il y a quatre conseils communaux. Il y a le maire Hubert d'Alsace, c'est lui-même qui est premier maire, le magistrat, et le maire titulaire, le maire principal. La commune de Gonzaline construit tout ça, c'est lui-même qui met nous dehors. Nous avons un cimetière. Les mêmes constitutions des cimetières, c'est magistrat Alsace, député, commune Gonzaline. Le conseil municipal composé de 3 membres, mais le conseil Gonzaline composé de 4 membres. Et comme déjà dit ça, premier membre, c'est maire Alsace, principal là, maire titulaire, et Kazek, Azek, le maire adjoint. Magistrat Alsace, nous parlons le député encore, nous parlons le magistrat. Parce que, nous mettons dehors.
et Grand Saline, li gagne mairie, il était loin mairie, comme si il était venu nommer tête les magistrats, il était loin mairie, là trop cob dans mairie, monsieur Jean Moël qui était mairie. Mais Grand Saline gagne 142 ans depuis la commune, mais par rapport nous pas jamais gagne un building et des dînes qui était sous contenant, des dînes long building depuis 34 à 35 ans depuis sont en bas nous, des fait plus progrès. Depuis 142 ans, Grand Saline pas jamais gagne un projet, pas jamais gagne commune. Maintenant, Kounia, ça nous gagne, nous gagne construction des écoles, réparation, c'est Meibed Alsace député de commune Grand Saline, délivraison de télévision magistrat Alsace, il est le député, il est magistrat en même temps. Nous avons un problème que nous voulons porter devant toute instance qui concerne eux, c'est concernant pont grand dans cela. Pont ça, c'est un pont qui l'a depuis 1950. Côté c'est le président Dimas estimé qui était bail département grand dans ce pont ça. Et qui est en très mauvais état et m'a attiré l'attention tout le monde qui concerne le gouvernement, exécutif là, sur ça. Et pour ta porter venir en urgence dans le département pour qu'ils soient capables de faire un pont parce que il est en très mauvais état. Dans le moment où je parle avant là, c'est transbordé qui a fait sous lit. Et l'homme du lit daté en 1950, et c'est un pont qui était grandi depuis 50 années. 50 années, je pense que dans la journée aujourd'hui, nous avons 68 ans de 50 ans ça, et pour dire de vie. Et en 1998, il y a une réparation qui était faite dans le pont, qui était en durée de vie encore de 10 ans. Et nous, en 2018, ça fait 20 années. Et il y a un pile poids lourd qui passait sous pont ça depuis qu'il était construit. Pas oublier le département Gandan, c'est le transport maritime non, qui était le premier transport pour le département. Et nous avons un gros poids lourd, ça, yo, camion 10 roues qui était passé sous pont. Et nous avons un pile conteneur qui a passé sous pont, ça vient de rendre pont faible. Et je pense que le gouvernement voyager sous la grandance parce que je tout profité du président, il ne faut pas oublier que c'est le département qui a fait le plus confiance pendant l'élection. C'était le deuxième département après la Kaeli et qui te balle plus confiance. Moi, t'as souhaité que le retourne confiance ça sous forme de service à la population. Côté qu'on crie dans Gandans Kounia là, c'est question de pont. Tout le monde, c'est en question de pont. Et nous-mêmes, magistrats, nous faisons le travail par nous parce que nous réduisons l'espace pont pour gros poids loup pas mouté sous lit pour le moment. Et, mais le travail n'a pas qu'à finir là parce que nous allons arriver dans la fin d'année. T'as souhaité que yo vini dans pont en urgence. Faut le gouvernement dit un bagaille sous pont. Grand dans cela. Et il faut qu'ils comprennent tous ces 9 communes. Pour ça relier, si pour arriver à tomber, c'est 9 communes qui ont endommagé, qui ont des problèmes dans le département et on n'y a pas qu'à fonctionner là-dedans. Le Sénat, nous, on est dans une situation de léthargie. Et je dis, c'est des bagailles, et pas en première dans l'histoire, Sénat. Tout le monde connaît ça. Lorsque la Chambre des députés est en vacances, toujours en situation étargique au niveau Sénat, côté de le sénateur a profité tout de moment ça pour au moins aller au mandat, faire ensemble d'activités. Et la réalité, c'est que nous avons des dossiers, qui sont importants pour nous. Nous allons travailler sur yo et nous prétendons que l'exécutif a formellement transféré au banou. C'est d'abord la loi électorale, ensuite le budget 2018-2019 que nous attendons avec impatience parce que nous autres au Sénat, revendication population qui a voté nous, nous allons faire refléter à travers les éléments du budget 2018-2019. Et c'est lui-même qui est important pour nous. Le conseil électoral provisoire, le conseil électoral provisoire est en place. Le conseil électoral permanent, ah, le conseil électoral permanent. Et mon petit Jean. Ah, très bien. Alors, mais pour provisoire en place. Et pour permanent, pour le permanent, eh bien, processus dans la suivre coulé. Mais le processus n'a pas avancé. Et l'a fait. Et l'a bon conseil électoral. Dans le moment où toutes conditions politiques et sociales sont réunies. Mais la réalité, c'est que je ne vous dis pas. Nous ne sommes pas en panne d'institution électorale. Parce que la loi électorale qui était mise, non, décret loi qui était créé institution électorale, ça, t'est précisé autant de fois que pour qu'on conseil électoral permanent, eh bien, conseil électoral, ça, qui est en place là, a prêté pour être capable d'avancer avec tout processus électoral.
c'est la Toussaint, c'est une fête l'église et c'est une solennité côté que l'église a célébré et fête toute saint a célébré et tout monde qui saint qui soit prend devant déjà ou bien qu'a vivre parce que dans fête ça nous commémorer l'église et commémorer la fête la non seulement la fête de l'église triomphante qui c'est et ça qui déjà dans demeure de Dieu mais il y a la commémorer tout la fête de l'église souffrante ça qui non ayant temps de purification et la commémorer tout la fête de l'église militante si là au cap souffrir qui cap lutter cap travailler pour arriver joindre et la vie qui pas jamais finir la fête yo les fêtes là Toussaint hein, et c'est en fait qui célébré chaque 1er novembre mais avant tout hein pour nous et Ruben c'est pas en fait qui était commencé peut-être depuis début l'église là. Et son commémoration a commencé avec lui depuis vers les 4e siècle et surtout dans l'église syrienne que j'ai commencé avec lui, j'ai consacré un jour pour fêter fête toute martyr, tout le monde qui mourit martyr dans l'église ça et peut-être vers les 835 avec pape et Boniface pour la première fois surtout au 4e siècle consacré et un jour spécial pour célébrer et pour commémorer tout saint et tout et si là qui mourit qui peut-être t'es fait volonté bon Dieu parce que qui t'aime dit un bagage Ruben c'est pas quoi que l'église ou bien un homme d'église ou bien quel que soit mon lien gain capacité pour dire mais qui est-ce qui saint mais qui est-ce qui pas saint certes l'église gain des mesures qu'elle mettait en place et dans structure li et mode de fonctionnement li pour faire un cheminement avec et si là qui était fait volonté bon Dieu gain une congrégation qui là pour ça et qui accompagner peuple bon Dieu pour que yo capable travailler pour aider si là qui était fait volonté bon Dieu yo proposer comme exemple comme modèle pour nous-mêmes qui vivre jeudi à vivre et prendre exemple la vie pour nous capables de servir bon Dieu mais tout un paquet de monde et c'est là l'église a pas voulu faire un paquet de monde un paquet peut-être monde qui pas gagne monde qui t'a fait des marches pour yo élever pour yo permettre que l'autre monde connaît yo qui fait volonté bon Dieu qui c'est de monde qui vivre la vie simple qui c'est monde que qui pas ni religieux ni religieuse qui pas ni père ni mère. Est-ce que vous comprenez ça, Mabdoulan? Qui pas ni un évêque, qui pas ni un pape, mais son simple monde, une simple personne qui t'a choisi, lutté, travaille pendant toute la ville pour le faire, mon Dieu, plaisir. Et mon Dieu, c'est saint. Et ça fait me changer la parole ça, de Jésus-Christ qui dit c'est pour nous venir saint, même Jean, mon Dieu, papa, nous. Dans celle-là. C'est vocation de tout chrétien, c'est pour Yovinci. Alors, je pense que, et dans l'idée ça, c'est dans l'idée ça, surtout l'église choisit, mettez un jour spécial, et qui c'est le 1er novembre pour commémorer fête toute saint. Ensuite. Fête solennelle pour l'église, ouais, côté la célébrer tout saint. En général, ça c'est un yé, mais c'est un monde qui te vive, qui mourit, ouais, et puis l'homme mourit, il joue une faveur, une bénédiction, une faveur de bon Dieu qui sauve lui et qu'on y a la vive en union, en communion intime avec Jésus, avec Papa. C'est ça en général. Saint an yé mais on capable jeune gagner par exemple là dans yo et l'église reconnaître ouais c'est ça et yo fêter pendant tout au cours de l'année liturgique là et yo même comment l'église reconnaître yo gagne on peut avoir trois étapes qui fait non première étape après yo fin faire enquête pendant 5 ans côté monde vivre mais non pas enquête
et puis yo ballon statut là yo vinn jouer une enquête positif yo ballon statut de vénérable ou bien serviteur de Dieu. Là ça c'est évêque dans zone côté lié à qui ba statut ça et là ça et si diocèse a capable et vénérer. Et les enquêtes continuent, à voir mieux capable de béatifier. Et après béatification, ils viennent canoniser le pape. Là, ils ont vénération sur toute l'église. Bon, si nous demandons combien de noms Saint-Rue dans le messe matin, nous souhaitons ça. Ouais, et l'Apocalypse a parlé de 144 000, mais ça, c'est un symbole qui signifie que c'est un nombre incalculable, un nombre ou pas capable de calculer. Ouais. Mais qui est sûr, nous sommes parlons de gagner l'église reconnaître, mais gagner l'église tout et un paquet. Ouais, que l'église pas dit pas reconnaître, mais ou bien que bon Dieu connaît eux-mêmes qui habitent dans le bon Dieu. Nous capables de prendre l'exemple, nous capables de prendre exemple de bonne mère, de famille, ouais, qui était bâti mon une bonne éducation chrétienne, et puis qui était très attaché, qui fait mon nom de bon chrétien, de bon campil là-dedans, ouais, qui sait, ouais, mais on capable de prendre tout un pile fidèle qui était bien vive, le monde qui était baillé dans le mouvement d'action catholique, tout ça qui était bien vive, ouais, yo même tout, yo capable saint, capable joindre tout des catégories de monde qui joignent qui pécheurs convertis. On capable de joindre un monde qui était pécheur et puis qu'on a fait un paquet de bagages qui mal et puis qui vient changer, qui vient convertir. Là-dedans, on capable de joindre des anciens hongans, des anciens mambos, ou on capable de joindre tout d'anciens criminels parce que c'est dans, à travers eux-mêmes, mais c'est dans la prison même qu'ils rencontrent le bon Dieu. Ouais. Et puis c'est là et c'est ça qui fait et dans le diocèse là, nous toujours. Mais ça, il y a des pères qui travaillent, par exemple, nous avons des pères qui travaillent avec eux, il y a des membres de la catholique tout le temps qui pourraient faire évangélisation avec eux. Donc, ouais, on a un paquet de catégories, mon l'église a invité tout le monde à venir, c'est moi que je dis à tout. Et bien, c'est un jour spécial pour tout le monde. Ils prennent le travail d'éducation au sérieux, ils prennent l'église au sérieux, ils prennent le sacrement au sérieux, et fidèle dans sa fête, comprendre, et au même tout, vous capable de venir jouer, entrer dans l'intime communion. La fête la Toussaint. La Toussaint, c'est d'abord la fête de tous les saints. Saints. Là, nous dit la fête de tous les saints, et nous voulons parler d'abord de bon Dieu, parce que saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Dieu seul est saint. Mais en pile, monde qui vivent, ils ont partagé quelques aspects dans sainteté, bon Dieu, à travers action que ils ont posé pendant la vie. Et ceci depuis les temps les plus reculés, disons 5e siècle de notre ère. Il était qu'on fêtait la fête de tous les martyrs. Il était qu'on fête dimanche après la Pentecôte. C'est une façon pour honorer tout le monde qui était mort martyr pour Jésus-Christ. Au fur et à mesure que l'année a passé, nous venons tomber dans la période côté Constantin, l'empereur romain, les vini converti au christianisme. Ça vient faire que, au fur et à mesure, tout Rome, tout l'Empire romain, les vignes chrétiennes. Et tout ça qui devient comme des éléments liés au dieu romain, ils ont débarrassé l'espace et même le panthéon romain fut consacré et fut dédié aux martyrs chrétiens. Et c'est ça que fait le roi Boniface IV, le 13 mai 610, lui consacré le panthéon romain aux martyrs chrétien. Et c'est ça que fait la fête des martyrs, que je viens de la fête de tous les saints, les villes fêtées au premier temps le 13 mai. C'est là nous arrivons dans le 8e siècle que gagnait un pape Grégoire III qui vient mettre fête là le 1er novembre et vers les années 835, fête
la Toussaint, la fête de tous les saints, d'abord des martyrs et tous ceux et de tous ceux qui vivent et qui partagent certaines valeurs propres à notre Seigneur Jésus-Christ, il vient fêter à travers le monde. Donc en gros, c'est ça qui fait que l'Église qui est universelle, les fêter jeudi à la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints. Donc en gros, c'est réalité. Je dis, hein, si vous passez dans différentes églises, gagnez plusieurs messes. Des messes côté chrétien, il y a la prière, il fait des invocations à travers les litanies des saints pour que bon Dieu capable de rapprocher de sainteté par là et nous faire mémoire en même temps. Il y a un peu de monde qui est à vivre, qui est extraordinaire, qui baille la vie yo, pour Jésus-Christ et qui rentrait dans ça que nous reliquons le martyrologue et qui rentrer dans ça que nous reliquons le martyrologue ou bien comme martyr ou bien des gens qui gagnaient, qui posaient des actions extraordinaires, qui partageaient sainteté pour Dieu. Fait qui représente un paquet de bagailles à travers le pays nous et chaque fois nous mandatons ça 1er de novembre pour que en pile monde qui vient rapport avec Vodou ils ont directement toujours venir accueillir moi toujours venir accueillir par moi c'est un gros moment pour le monde qui dans culture Vodou et nous tous connaissons directement culture Vodou c'est culture par nous direct qui ça lui représente la caille nous moi même en tant que vice délégué arrondissement Vodou. Moi, je voulais faire accompagnement avec toute qui sur Vodou. Parce que moi-même, déjà, je fais partie de Vodou. Même les gens qui connaissent l'espace, en tant que citoyen, j'ai toujours rempli de voix pour moi venir participer dans le fait ça. Et moi, c'est aujourd'hui, je ne vais pas prêter la vie actuellement. Je vais aller pour Obris et je vais aller chaque côté qui a accueilli le système Vodou à travers le cimetière. Vraiment, je pense que moi, c'est haïtien. Aujourd'hui, on va parler de Vodou. Vodou en homme, il a quand même moins. Il n'a pas contrôlé les gens de l'indépendance directement qui fait partie de Vodou. Et aujourd'hui, Vodou, tout moi-même, c'est Vodou. Parce que c'est Haïti, c'est qui le supreme. Il est normal pour m'embrasser l'idée de tuer Vodou. Parce que je me la donne, et dans tout sens net, parce que aujourd'hui, c'est une raison qui fait me la. Pour faire partie qu'il suit pas maintenant et fêter en guédé. Ça fait quelques années nous c'était sur le appréciation spéciale avec premier novembre de novembre. Qu'est-ce qui va pousser nous et apprécier l'occasion spéciale par rapport avec Jacques Guédé? Ok, autrefois, vous êtes directement au monde qui te voulait fêter guédé. Directement dès qu'on allait dans le cimetière de Port-au-Prince. Et je dis avec député Pierre Lemay, qui prend l'initiative ça en main, qui dit que la caille nous ne se copine même avec toute caille. L'important nous des cimetières pour accueillir qu'il sur la caille nous tout. Et je dis à c'est une raison, parce que je dis à la deuxième édition qu'il sur Vodou et à travers la commune Cité Soleil. Et ma bon message très clair à toute notre commune, on embrasse qu'il sur, parce que c'est pour nous, on fait Vodou la caille nous. On va embrasser Guédé et Vodou la caille blanc, on a jeté qu'il sur nous, on a ramassé notre cul. On servit à propre qu'il sur pas loin, on a fait ça qui est banoué devant nous. Nous avons deux jours festival, et qui sont capables de faire une inquiétude pour être capable de venir fêter pendant deux jours ensemble avec nous dans la Cité Soleil. Parce que la réalité est claire, je dis à l'autre Cité Soleil, où est son autre bagaille. Et ça fait longtemps, le monde a pensé mal de Cité Soleil, parler des zones rouges. Et je dis, quel que soit à côté de nous et quel que soit à mon nous,
nous ka vinn fêter gété en dans cité soleil et peuple cité soleil là a accueilli nous dans tout sens l'a embrassé nous parce que cité soleil nous déconné auparavant je dis à vous l'autre cité soleil et moi c'est son autre cité soleil qui stable il y a l'autre cité soleil gété il y a l'autre cité qui a fêté dans toute couche sociale net pas forcément gété merci je dis si nous battons croyance à travers qu'il suit deuxième édition il va la fête là parce que depuis Pierre Lemaire était commencé avec et je dis à nous rejoindre là encore unité même là les mains pas exister même là moi même directement en tant que vice délégué à arrondissement au prince par là nous souhaitons que l'autre mounio suive tracant pour nous toujours Québec qu'il suit en val. Nous voulons tomber. Pas tomber, non? Tomber même. Parce que là, je le jeudi 1er novembre, pour les gens qui ont lancé mes yeux sur toute tête tombe, je ne veux dire là, pour ces gens qui ont gardé là, nous prenons la culturation en tout bon vrai. Côté que le peuple a détaché des cultures, des traditions, les pral acculturé de l'autre culture, et puis qu'on est là, et la chrétienté lui-même, il prend toute possibilité pour faire. Et comme d'a dit, si l'église tout côté qui gon péricile, en face c'est pas péricile tout mais si l'église en façon pour combattre vos droits. Et ceci travail là où elle presque arrivé à point pour j'en a gardé cimetière là au sort du viron là ouais effectivement oui. Donc et tradition en poil. Est-ce que c'est pas bon côté pas nous problème ça sorti qui vient rendre c'est pas parce que nous suspect Godouin pas uni qui vient rendre au jour le jour n'a détérioré. Bon, non pas dit Vaudois pas uni. Effectivement, il y a une petite convergence dans le secteur Vaudois, côté gagné dans tout le secteur. Comment ça me dit? Donc, ce n'est pas ça qui fait que Vaudois n'est pas uni, n'est pas atteindre l'objectif qu'il doit atteindre. Donc, c'est raison, c'est parce que nous acceptons toute notre culture, toute notre religion qui est à travers le monde envahit nous là, et puis c'est ça qui fait qu'on est là, nous venons prendre la culturation, qui fait qu'on a perdu tout essentiel que vous devez gagner. Mais en même temps que le monde qui fait partie de KNV, qu'est-ce que vous avez souhaité? Qu'est-ce que nous avons souhaité? Nous souhaitons que pour nous faire une formation
pour les vaudoisans et les mambo qui permettent que de petite en petite, de génération en génération, ils sont capables de transmettre leur tradition, ça, les mêmes gens ont été recevoir, afin que ça qui vient demain, ils sont capables de renforcer et culture pour qu'ils soient capables de prendre forme ni place ni gens de prendre la pays. Est-ce que vous-même, vous avez fait passation ça avec qui tout? Effectivement, on va regarder là, côté là. L'or céleste. Oui. On va regarder ma compagnie à toutes les mêmes là, dans ce métier. Vous comprenez? Côté que m'a fait vivre tradition, en façon les mêmes pour venir combattre pour la culture.